aujourd'hui nous sommes mardi. Il est 5h25, comme vous voyez. Je suis prête. Petit pantalon blanc, un peu beaucoup trop grand, on est bien d'accord. Il faut que je me rachète un petite chemise noire. Chignon, voilà, gros chignon même je dirais. Maquillage, on n'en parle pas, hein. Crème de jour, poudre, mascara, on est bien, on est OP. Lolaf, ton outfit, c'est quoi mon chat? C'est quoi les outfits de Lolaf? Bon, la journée commence déjà dans les... Voilà, ça commence déjà bien. Réveillée à 3h40 par Tigrou qui m'a explosé. Vous savez, près de ma télé, j'avais deux espèces d'ampoules à l'envers là. Dans deux vases boules, il y en a encore un là-bas. Avec des petites fleurs séchées dedans que j'avais acheté ça à Maison du Monde l'année dernière. Bah, j'en ai plus qu'un sur deux. Parce qu'à 3h40, j'ai entendu un BOUM! Merci Tigrou. Ah oui, c'est Tigrou parce que. Il y avait que lui dans les parages, elle a dormi à côté de moi, elle a fait la tête, elle s'est dit qu'est-ce qui se passe? Voilà. Bref, du coup, ça commence bien. Je viens pour mettre mon vlog à se mettre sur YouTube. Il me dit qu'il ne s'est pas enregistré parce qu'il n'y avait pas assez de place. Donc, j'ai recommencé. Je recommande parce que, certes, je galère avec l'espace, mais il aurait dû pouvoir. Il aurait dû pouvoir parce que il lui restait 31 gigas. Donc, je ne sais pas pourquoi. Donc, voilà. Café, chaussures, et on va programmer ma journée. Parce qu'avec tout ce remue-ménage d'hier, il y a beaucoup de choses que je n'ai pas pu faire. Donc, déjà, si je reprends ma playlist, c'était pas une playlist, c'était une to-do. Faut que je finisse de faire mon lit. Montage du vlog, bah écoutez, je l'avais coché, mais voilà. Du coup, on va juste ajouter... Hop là. Miniature plus programme du vlog. Parce que me connaissant, je serais largement capable de l'oublier. Tournage de montage de l'album, c'est fait. On va reglisser le montage que je n'ai pas fait hier ici. Prendre rendez-vous pour Lana, c'est fait. Après, j'ai le montage du tome 8, il est fait, il est programmé sur YouTube. Impression des papiers de la collection Welcome Baby, c'est fait. Programmer les posts sur Insta, ce n'est toujours pas fait. Prendre des photos de la bonne photo, ce n'est toujours pas fait. Préparer les posts de Sealand, ce n'est toujours pas fait. Et les commentaires YouTube, ce n'est toujours pas fait. Voilà, je n'ai rien foutu hier, on est bien d'accord. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en priorité numéro 3, j'ai cette vidéo-là. De toute façon, franchement, je pense que vous n'aurez pas de vidéo cette semaine, donc je vais juste la mettre dans tâche en attente. Voilà. Calculer le prix de l'album photo, mettre l'album photo en ligne, et du coup, bah, c'est prendre les photos de l'album. Pour les mettre dessus, il faut prendre les photos. Donc ça te met trois priorités. Non, même pas. Mettre l'album en ligne, on enlève des priorités, mais par contre dans mes priorités toi t'es là, hop là, ok, tu remontes là-haut. Montage blog de lundi, ok. Donc ça c'est mes trois priorités. Et ensuite, mes tâches qu'il faudrait que je fasse, mettre à jour, mettre en ligne donc du coup l'album photo, commentaire YouTube, préparer les posts du Sealand, programmer les posts Insta, montage de la présentation de l'album photo, miniature et programmation du vlog, montage du tuto 9, liste matériel Sealand et réassort de la boutique. Ça, c'est la to-do qu'il faudrait que j'arrive à faire. Et après, ben, on verra bien ce que j'aurai à faire. Donc voilà. Je pense qu'au niveau des tâches, on est plutôt pas mal. Je suis sûre que j'ai d'autres trucs, hein, mais... ça, c'était publié. Hop là. Donc voilà. Voilà. Il faut que je me bouille mon popotin quand même.
Bref, du coup, je vais faire mon lit et je pense que je pourrais peut-être répondre à des commentaires. Et aujourd'hui, c'est Hello de Beyoncé. Ok, je vais mettre la musique. Et je sais ce que je vais mettre dans mes tâches. Parce que je serai capable de l'oublier. Faire là. Vous entendez le boom? Faire la litière. C'est Hugo qui refait des chiennes. Bon. Let's go. On attaque. Chaussures. Je finis mon lit. Il est 31. Je suis sûre que j'ai le temps de commencer ma petite tâche. Allez, let's go. Pas chaud. Comment allez-vous depuis tout à l'heure? C'était Vakra. Oui, bah, bien sûr, mon amoureuse. Tu viens dire bonjour à ta mère? Bah oui. Elle était à la porte, elle m'a suivi jusqu'à l'atelier récupérer l'appareil photo. Et puis bah, là, voilà, je me dis bonjour. C'est comme si elle m'avait pas vu il y a 3 heures. Bon, ma machine s'est bien mise en route. Je l'avais programmée pour qu'elle démarre dans 2 heures, donc à 8 heures. Moins le quart. Je vais aller chercher des œufs. Je vais accrocher mes clés. Je vais aller chercher des œufs parce que j'ai envie de crêpes. Mais pas des crêpes crêpes. J'ai envie de sarrasin. Et ce matin, dans le bus, puisque oui, le tram ne fonctionnait pas ce matin, je me suis dit, mais Marie, pourquoi tu ferais pas des crêpes de sarrasin? Tu as du jambon, tu as du gruyère, tu as du chèvre. Il te manquait juste. Je crois même que j'ai de la béchamel. J'ai de la béchamel. Il manquait que des œufs. Du coup, bah, je suis passée à Monoprix chercher des œufs. Voilà. Donc, j'ai des œufs et là, j'ai très très faim. Et du coup, je me dis qu'il me reste un truc des pancakes, donc je vais me faire des pancakes. Oui. Je vais faire des pancakes en attendant que S m'appelle. Elle doit m'appeler, on doit faire une visio encore ce matin, on a fait une visio hier. Et du coup, on en refait une ce matin. C'est ça que je disais que Tigrou m'a cassé cette nuit, à 3 h du matin. Voilà. Merci Tigrou. Bon, je vais me déshabiller, je reviens, et après on attaque les pancakes. Bon, ça y est, je suis déshabillée, plus de manteau, plus de clé de travail, voilà. Donc, on disait des pancakes. Oui, vous connaissez mon amour pour les préparations de Francine. D'ailleurs, je n'ai plus de crêpes. C'est mon dernier pancake. Et du coup, j'avais 2 sarrasins. Dedans, on fait 2 fois 10 crêpes. Alors déjà, je suis en faire 15 sachets parce que je suis toute seule. Donc 10 crêpes, c'est largement suffisant. Et ouais, c'est ce que je vais manger ce soir. Voilà. Je ferai ça dans l'après-midi. Donc là, on fait des pancakes. Tout compte fait, je vais peut-être pas refaire comme j'ai fait dans le doseur. Certes, c'était pratique pour mettre dans la poêle, mais pour mélanger, c'était pas pratique. Du coup, on prend ça. Et en fait, ce que j'aime bien, c'est qu'avec les préparations, elles sont très très bonnes. Souvent, je prends un terre quand ils sont en réduction. Et souvent, il y a un jeté, l'autre à moins 50, ou un jeté, un gratuit. Bon, là, il y a longtemps que j'en ai vu, donc j'espère que je vois pour qu'ils en refassent, parce qu'il faut que je fasse mon plat. Je sais que Jonah il veut des crêpes. Bon, après, quand il n'y a pas, je fais des crêpes basiques. Ben, basiques. Non, basites. Ouais, la nuit a été dure. Comme je dis, Tigrou m'a réveillée à 3 h du matin. Il faut 25 centimes de lait. Tigrou m'a réveillée à 3 h du matin et je me suis réveillée aussi à 1 h. Donc, 25. Donc, ouais, dur, dur. Il me reste un litre de lait. Bon, de toute façon, pour les sarrasins, c'est de l'eau, c'est pas du lait. Donc, mais, c'est pour pouvoir me refaire un café. Je l'arrange pas, vu le peu qu'il y a. Là, mon fouet. Et on mélange. Je vous tourne le dos, là, ça me saoule. Ouais, ça me saoule. C'est mieux. C'est un peu mieux. Marie, pourquoi tu mets pas ton café tout de suite à ce soir pendant que tu fais ça?
Bonne question. Donc oui, donc je vous disais, hop là, ça va dedans. Je suis censée faire un visio ce matin avec S. Hier, on a un peu débattu, je cherche des petites idées pour renouveler un peu ma chaîne, pour vous donner du nouveau contenu et tout. Donc, merde. S me dit, fais un album action. Donc voilà, on est en train toutes les deux d'étudier la question de ce que je pourrais faire, de ce qui vous plairait. Je voudrais vous faire un FAQ aussi. Du coup, n'hésitez pas, je vous le redis, n'hésitez pas à poser des questions sous ce com, sous ce post. Et comme ça, je pourrais vous faire une FAQ. Ça pourrait être sympathique. Elle m'aide aussi à essayer de trouver des idées aussi par... alors, un peu moins par rapport à mon nouveau projet, que j'ai très hâte de vous parler. Mais il va falloir attendre encore un petit peu, beaucoup même. Et voilà, je pense aussi sérieusement prendre quelques jours. Alors, vous savez que je serai en vacances pendant 15 jours au mois de juillet. Donc, je me dis, est-ce que je coupe? C'est bien que l'été, j'aime bien couper au moins 15 jours les vidéos. Parce que de toute façon, juillet, août, très peu personnes regardent. Donc, voilà. Donc, est-ce que je coupe pendant mes vacances et je me repose à fond? Ce qui peut être une idée. Ou alors, je poste, parce que du coup, je pourrais vous poster des vlogs de ce que je ferai. En plus, j'ai posé exprès pour avoir Jo, puisque là, vous savez, on fait une semaine. Et au niveau de l'accord qu'avait proposé les avocates, et du coup, qu'on a accepté, juillet-août, c'est 15 jours, 15 jours. Donc en fait, il arrête l'école. Donc vendredi 5, non, il revient à la maison, parce que l'école, il va arrêter à la fin de la semaine. Il y a un conseil libre aujourd'hui, le conseil de classe sera passé, voilà. Du coup, il est censé rentrer, soit, vous savez bien, j'en ai, il choisit quand est-ce qu'il rentre, soit le vendredi, soit le samedi, ou le dimanche. Donc, il était censé rentrer soit le vendredi 5, soit le samedi 6. Je lui ai dit, par contre, tu es gentil, tu rentres le vendredi 5, sur l'heure du midi, sachant que moi je ferai peut-être des heures le 5 en permanence le matin, parce que nous avons la flamme olympique qui vient au Havre, et du coup là où je bosse, on va être les seules toilettes publiques, si vous voyez ce que je veux dire. Donc les gens vont tous venir dans la galerie pour pouvoir aller faire pipi. Donc normalement il y a un renfort sanitaire qui va être mis en place. Et du coup je me dis, si je fais, donc du coup il faudrait que ce soit de 9h. Je voulais fermer le truc, j'ai appuyé sur le bouton arrêt. Il voulait que ce soit de 9h30 à la fermeture du magasin, 19h30. Donc moi, je pense que ce que je fais... Du coup, je vous remets là. Je vais allumer la plaque. Du coup, je pense que je vais voir pour essayer de faire 9h30 jusqu'à à peu près midi, midi et demi. Il n'y a plus d'eau dans ma cafetière. Et comme ça, ça me fera des heures supplémentaires. Et comme ça, Jonah, il me rejoint. On mange ensemble. Et après, on va faire un petit peu la flamme olympique. Et après, c'est mon amie Émilie qui nous rejoint. Ou on la rejoint, à voir, après son travail. Et ensemble, on ira profiter de tout. Donc c'est pour ça que j'avais dit à Jonah, ce genre que déjà fait de la musique, il veut me laisser profiter de mes amis. J'avais dit qu'on ferait un truc ensemble. Donc il avait oublié. Voilà. Donc j'y ai rappelé, il m'a dit oui, ok. Donc il rentre là et il rentre pendant 15 jours. Après il va 15 jours chez son père, il revient 15 jours. Il repart 15 jours chez son père et après c'est la rentrée des classes, il revient à une semaine. Et il sera toujours... En fait, il est content parce que je vous avais dit que Keïssa, sa petite chérie, a déménagé en face. Dans la tour en face de la maison. En fait, il y a juste le tram qui nous sépare. Et les semaines où elle est chez sa maman concordent avec les semaines où il est chez moi. C'est les premiers trucs qu'ils ont fait quand ils ont regardé après. Est-ce que ça va toujours aller? Des pancakes. J'ai très très faim. J'ai très très faim. Du coup, donc ça, quoi d'autre à vous dire? De l'huile normale. Je suis désolée, ça fait du bruit ce café. Bah rien. Là, du coup, on va se poser. Je pense que je vais... Je vais changer ma table de sens. Je vais changer ma table de sens. Là,
elle est dans ce sens là. Je pense que je vais la mettre comme ça parce que quand je suis sur l'ordinateur, j'ai du mal à être au bureau là-bas. Il n'y a pas de télé, il n'y a rien du tout. Donc je sais bien que j'aime bien me mettre là. Mais si je mets dans l'autre sens, j'aurai plus de place. Je mettrai deux chaises. Les chaises seront serrées, mais c'est mieux pour moi pour travailler. Et je vais retirer ça. Parce que c'est très joli. Mais c'est une merde, ça me met de la merde. Regardez, là encore j'ai passé un coup ce matin. C'est un truc, il y a toujours mon sac de sport. Vous voyez, en dessous, c'est la vraie merde. Ça me fait que ça, donc du coup ça me saoule. Donc je pense que je vais changer ma table de place. Et puis comme ça même si je travaille en mangeant, je pourrais quand même aussi. Donc je vous pose et change ma table de place. Voilà, je l'ai tournée, donc elle est comme ça, impeccable. Franchement, ouais, nickel. Je vais juste passer un petit coup de lavette dessus. Là, ma casserole doit être chaude, on va attaquer les pancakes. Been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change. Been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. And call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows. And we're all going life, still nobody knows. But I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Coucou vous, comment allez-vous? Pour moi, rien ne va. Je vais tuer Tiro, je vais tuer. Il m'a collé de l'avocat partout. Enfin, de la pelure d'avocat partout. C'est-à-dire, j'ai vu jouer avec une balle dure. J'ai dit mince. Jouer avec quoi? Et je me dis mince. Ça, c'était balle et brosse. Je me suis dit, il est où la balle en bois? J'ai pas de balle en bois. Mais en fait, c'était pas une balle en bois. C'était le noyau de mon avocat. C'est tout. Je vous jure, ce chat, il me déprime. Il me déprime. Mais complètement. L'autre jour, je dis à la nage. Je crois que Tigrou, ouais, c'est pas évident. J'ai dit, je crois que Tigrou, il a pissé dans la baignoire. Elle me dit, mais non. Je dis, bah écoute, je suis sûre que ça faisait comme s'il y avait de la pisse qui s'était écoulée dans la baignoire. Que je fasse la vaisselle d'abord. Non, je remets là-bas. Et j'ai dit, ouais, j'ai l'impression. Et il y a que lui qui va dans la baignoire. Elle me dit, ouais, ça m'étonnerait. Ce matin, quand je suis venue, il y avait de la merde dans la baignoire. Merci Tigrou. Je lave mes ustensiles et je suis reprends en papote. Donc voilà.
Du coup, donc, je vous disais, je ne sais plus si je vous le dis, je vous reprends, il est 19h44. Voilà. La dernière fois que je vous ai pris, il était quelle heure? 13h, 13h30, un truc comme ça. Je vous ai dit que je me faisais à manger. Non, je vous ai dit... Je vous ai pas dit que je me faisais à manger. Il me semble que je vous ai dit que j'allais mettre pour bosser les chroniques de Bridgerton. Donc j'ai regardé un épisode en travaillant. Nickel, hein. Quoi? Encore? Bref. Oui, Fanny, c'est une grande gueule. Donc, ouais, impeccable, hein. Écoutez, je regarde le premier épisode, j'ai dit, vas-y, par contre, je vais peut-être manger. Donc je me suis fait des wraps boursin, salade, thon, avocat. Je me dis, bon, pour manger mes deux petits wraps, je me pose tranquille dans le canapé devant un épisode. J'ai dit, je regarde un épisode en entier et après je me retourne bosser. Avec Olaf, on s'est légèrement allongé dans le canapé et on vient de se réveiller. On vient pas de se réveiller parce qu'on n'a pas dormi, mais on vient de se lever. Un sachet, c'est 50 centilitres d'eau. Donc, comment vous dire? Oh, ta grand-mère à toi! Donc ouais, comment vous dire que bah j'avais été bien productive ce matin. Le reste de la journée ne l'a pas été. Voilà. Bref, hein, il y a des jours comme ça que voulez-vous que je vous dise. Mais alors j'avais attendu que les deux parties de sortie pour pouvoir le regarder parce que je me voyais pas attendre entre deux. Je suis là. Attendre entre deux que ça sorte. Par contre, j'aurais bien mis mes claquettes parce que... Voilà quoi. Sous mes claquettes. Pousse-toi, toi. Ils étaient à leur place. Oui, parce que je voulais pas attendre entre les deux. Donc j'ai attendu que tout soit sorti. Après je vais pas attendre trop non plus pour le regarder parce que je vais pas non plus qu'on me spoil, hein. C'est vrai que mon amie Millie a regardé on est mardi, donc hier, la partie 2, parce qu'elle avait déjà regardé la partie 1. Donc voilà, c'était temps que je la regarde. Donc voilà, donc très bonne saison. Comment vous dire? Un jour peut-être que je lirai les livres parce que je suppose que les livres sont mieux. Mais voilà quoi. Une assiette. Donc voilà. Donc je n'ai pas été si productive que ça. On verra, après, en mangeant, je reprendrai mon programme. Mon vlog d'hier est monté, du coup, je vais l'importer après sur YouTube. De toute façon, il sera là en ligne que demain. Et puis, puisque ce soir, vous avez l'autre, il faut que je réponde aux commentaires. Donc, je ferai ça aussi certainement en mangeant. Voilà, des petites bricoles. Bon allez, je vous ai filmé ce matin, vous avez regardé ce matin faire mes pancakes, je vais pas vous filmer en train de faire mes galettes de sarrasin, je vous reprends après. Bon, ouais, je suis en pyjama. J'ai pris ma douche, il doit être 9h15 parce que le film, entre guillemets, va bientôt commencer, sachant que j'ai mis la 9, il y a FBI. Bon, ils disent que c'est des inédits, mais... Je pense pas que ce soit des inédits. J'attends les derniers là, qui sont sortis qu'aux États-Unis, donc je ne pense pas que ce soit des inédits. Je vais bien voir. Rien de neuf. J'ai mangé. C'était très très bon. Il y avait longtemps que je n'avais pas mangé au sarrasin. Les enfants n'aimant pas
Genre, quand j'en fais, je fais toujours avec des crêpes normales. Donc là, j'ai fait avec du sarrasin. Il m'en reste pour demain, si je veux. Donc là, c'est comme c'est encore chaud, j'ai juste mis dans le four. Je mettrai dans des enveloppes de congélation pour que ça sèche, pour pas que ça sèche trop. Oh putain, l'ordinateur! J'ai mon ordinateur qui déconne, mais mon chargeur ne recharge plus. Donc vous savez, ça fait un peu comme les. Attendez, parce que vous dévissez. Les chargeurs, là, normalement, quand il faut que vous trifouillez pour recharger, ben là, il me fait ça. Donc, je ne sais pas pourquoi. À un moment donné, je ne vais plus avoir d'ordinateur encore. Je vais juste péter un boulon. Là, je pète un boulon tout à l'heure. Il s'est import, mais il est à l'agonie au niveau batterie. Donc, voilà. Donc, ah, ça me stresse. Là, je me dis que le vlog de demain est chargé, il n'est pas programmé ni rien du tout parce que la miniature n'est pas faite. Je vais juste éteindre l'ordinateur et je m'en occuperai demain parce que sinon je vais. Ça fait 2 heures que je me prends la tête et ça fait déjà quelques temps qu'il me le fait et là c'est juste atroce. En fait, le bouton là, il nage dedans et il faisait pas ça avant. Donc je sais pas pourquoi il fait ça, mais bref, il veut pas charger. Un coup il charge, un coup il charge pas. Il passe plus de temps à pas charger qu'à charger. Bref, vous êtes sur le côté. Moi, je vais vous laisser. Je vais vous faire de gros gros bisous, c'était une très très bonne soirée. Moi je vais me coucher, je suis fatiguée. J'ai pas fait de sieste, j'aurais peut-être dû. Ah, il charge là. Bon, je laisse comme ça, j'attends de voir s'il charge. J'étais à 5, là je suis à 11. Donc voilà. J'étends mon linge aussi, il faut que j'étende mon linge. Parce que j'ai mis ma machine ce matin, j'ai pas étendu mon linge. Donc j'étends mon linge. Et après, je vais bouquiner dans mon lit. Allez, je vous fais des gros bisous. Bonne nuit.